intorno al 1950. All'ingegnere Adriano Olivetti gli era venuta l'idea di... Vers 1950, Adriano Olivetti, le patron de la société homonyme, a eu l'idée de ne pas concentrer ses ouvriers et les gens du canavé à Ivrée, pour éviter de saturer la ville. Il souhaitait que les gens restent dans leur village pour empêcher l'agriculture du territoire de mourir. Il a donc financé la création de la coopérative vinicole de Piverone, de la coopérative agricole de Montalenghe, de la champignonnière de Cossano Canavese, et il a fait construire à Vidracco, dans le Val Chiusella, une usine qui fabriquait des valises destinées pour la machine à écrire, l'Etera 22. Dans les environs de Castellamonte, il a construit la Valorco qui produisait des rouleaux pour les machines à écrire. Il a fait tout cela pour empêcher que les gens abandonnent leur territoire. Parce que sinon, comme à Piverone, s'il n'y avait pas eu la coopérative vinicole, aujourd'hui la forêt se serait développée jusqu'ici. À un certain moment, ici, on ne vendait plus le vin, parce que chacun faisait... À un certain moment, ici, on ne vendait plus de vin, puisque chacun de nous en faisait des dizaines d'hectolitres en le gardant à la cave. On ne voyait pas un seul négociant en vin tout au long de l'année, sauf à la mi-août, quand le raisin était mûr et les caves encore pleines. Au final, les gens ne gagnaient rien du tout. Alors, un groupe de 99 personnes, parmi lesquelles il y avait les plus importants vignerons de la zone, ont eu l'idée de créer une coopérative vinicole. Tous ceux qui avaient l'intention de mettre sur pied cette coopérative devaient s'adresser à un intermédiaire qui s'appelait M. Ronco. Adriano Olivetti est intervenu en se portant caution pour le prêt souscrit par les associés de la coopérative vinicole. Ça a été un très beau geste qui a permis d'éviter que les gens ne mettent une hypothèque sur leur propre maison. Quand le bâtiment a été construit, ses dimensions étaient la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Mais après quelques années seulement, il a fallu doubler ses dimensions, car pendant les années 59, 60 et 61, on récoltait à Piverone près de 40 000 quintaux de raisins. Ici, nous nous trouvons à Piverone, sur la Serra, dans les établissements modernes de la coopérative vinicole promue par l'Institut pour la rénovation urbaine et rurale. La mise en pied de cette coopérative a permis à ses associés, qui sont désormais près d'un millier, de faire croître leurs revenus de 15% grâce aux améliorations apportées aux produits, mais aussi à l'efficacité de l'organisation commerciale qui ne peut être l'apanage que d'une société moderne comme celle-ci. Nel 1960, quando si raccoglievano 40.000 quintali di uva, i soci erano... En 1960, lorsque la récolte était d'environ 40 000 quintaux de raisin, les associés étaient environ un millier. Petit à petit, certains d'entre eux ont quitté la coopérative et aujourd'hui nous sommes environ 220. Au fur et à mesure que les habitants vieillissaient, ils abandonnaient la vigne malgré le fait qu'il y avait tout de même des jeunes gens qui continuaient à la cultiver. Aujourd'hui, la superficie des vignes dans la zone de Piverone est réduite de moitié par rapport à l'époque. Le premier contrat important de fourniture de vin que la coopérative avait remporté était celui destiné aux ouvriers qui participaient à la construction du tunnel du Mont-Blanc. Tous les mois, un camion de vin partait pour Courmayeur pour cajoler le gosier des ouvriers. Ça a été le premier contrat important. À partir de là, les affaires de la coopérative ont commencé à se développer et nous ont amenés là où nous en sommes.